Salut mes chers viewers, c'est Saïm et donc aujourd'hui bienvenue sur No Man's Sky. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans la petite station sur laquelle eh bien on avait atterri dans le dernier épisode, à la fin du dernier épisode. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve, donc déjà on va décoller hein, aujourd'hui on va un petit peu se barrer de cette station spatiale, mais je veux juste un petit peu voir le truc. Alors bon, là on peut pas passer, d'accord, j'avais déjà vu ça. Et ici du coup je crois que j'avais déjà fait des échanges avec les... Ah non, là il faut un pass atlas, merde. Et, mais le pass atlas en fait, j'ai une question, parce que je sais pas si le pass atlas faut qu'on le... Genre faut qu'on le craft ou faut qu'on fasse un truc comme ça. Non. Plus de piratage. Non. On peut pas le crafter. Donc je pense que c'est un truc qu'on obtient. Et mais l'atlas, je crois que l'atlas c'est le truc qu'on va devoir trouver au centre de l'univers. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est sur la planète. Épave de vaisseau. D'accord. Ok, il y a un mec qui arrive. Très bien. Oula, son vaisseau est un peu bizarre. Et donc du coup, je pense que je vais voir un petit peu ce qu'on peut échanger avec lui là. Peut-être éventuellement pour avoir... Ah oui, c'est vrai, il faut du carbone. Il n'y en a plus ici. Non, il n'y en a plus. J'avais tout pris. Ah non, c'est bon. Mais il y en a un petit peu. J'espère que j'en avoir assez. Non, 8. Non, je n'en aurai pas assez, je pense. Ah si, c'est bon. Ok. Donc toi, qu'est-ce que tu me proposes déjà? Je vais voir. Parce que je me souviens plus trop ce qu'il me proposait. Amigue, échange, fédération. Bon, ça va maintenant, vu qu'on a appris pas mal de mots. Demander un... Allez, un nouveau mot. Allez, allez, on est des fous. Le marchand accepte de m'aider. Il fait un rire un peu bizarre. Vous avez appris le mot joie. Mm-hmm. Bon, d'accord. C'est ok, ça peut être sympa. Alors, vendre des articles de vos inventaires. Résonateur dynamique. Ouais, mais j'ai pas tout ça, moi. Titanium, plutonium. Bah, le titanium, je pense que j'en aurais besoin, non, pour aronium. Oh, putain. Le titanium, je pense que j'en aurais besoin pour crafter des trucs, à mon avis, donc je sais pas. Oxyde extrêmement puissant, pouvant être utilisé pour recharger technologie défensive. Élément essentiel de nombreux plans de technologie, produits et composants avancés. Présent dans les amas de cristaux jaunes découverts dans le cadre d'une exploration planétaire. Ok. Il y a rien qui se craft avec... platine, d'accord. Plutonium. Tamium. Antimatière, what? D'accord. Plutonium. Non mais ça j'ai déjà vu. Fluide de suspension. Ok. Fluide de suspension, très bien. C'est lui la distorsion. D'accord, mais ça c'était la même chose. Non, j'ai pas grand chose qui... Bah je sais pas, allez. Fais péter le titanium, allez, je veux bien... Je veux bien en vendre un petit peu, mais juste la moitié peut-être. Parce que là, sinon j'en aurais peut-être pas assez. Alors j'en ai combien? 467. Je vais en mettre... je sais pas, 200, allez, j'en mets 200. Comme ça au moins, ça nous en rapportera... Ouais, ça nous en rapportera déjà plutôt pas mal. Genre ça va un petit peu doubler ce qu'on a déjà là. Hop. Tac. Voilà. Ok. Bon, nickel. Du coup on va pouvoir... Ah merde, je me suis trompé de chemin déjà. Ça va pas le faire. Oh, regardez ça. Alors il y a une planète qui est juste devant. Et j'ai l'impression que les signaux là, ils viennent de cette planète. Donc bon, on va peut-être aller... Merde, putain, je me plante à chaque fois le chemin. On va peut-être aller l'explorer, je sais pas. Hop. Tac. D'ailleurs, ce vaisseau-là, on pourrait pas le... Par hasard, le... Regardez combien il coûte, parce que les vaisseaux coûtent super cher, hein, bien sûr. Travagek. D'accord. Quelque joie, échange. Putain, il manque un mot, quoi. Faire une offre. Comparer, non. Refuser. Refuser, bon. Je pense que déjà mon vaisseau il a l'air assez assez cher comme ça, donc bon, on s'en fout. Hop, tac. Alors, qu'est-ce que c'est que cette planète là? Donc ça c'est Nocipen Vasjogre. Putain, c'est énorme Nocipen. Ah, c'est Xénophore ça, d'accord. Donc bon, ça on s'en fout. Allez, on va aller vers celle-là. Pulseur réacteur désactivé. Ah merde. Arrivé dans une heure. Activation du pulseur réacteur, tac. C'est parti. Wow.
Alors elle s'appelle comment? Kimunyekema. Oh putain, d'accord. Un nom bien bizarre. Donc bah voilà, on se rapproche tranquillement du... On se rapproche tranquillement de la planète, arrivé dans 25... Ah ouais? Non mais je pense que là, il va falloir qu'on désactive le pulsor réacteur pour... Pour pas trop dépenser de tamium. De toute façon, sur les planètes, de toute façon, on retrouve du tamium, donc... Alors, j'ai l'impression que c'est une planète un petit peu bizarre, genre avec de l'eau ou je sais pas quoi dessus. Mais bon, voilà. Alors on va juste... tac. Alors, on va récupérer un peu de tamium. Hop. Oui, parce que les astéroïdes, ça permet de... De récupérer du tamium. Alors par contre, là, on n'est pas allé très vite. Donc du coup... Oh, oula. Interférence planétaire. Oui, d'accord. Ouais, heureusement, parce que... Putain, là, j'ai failli foncer dans la planète, mais genre à une vitesse... À une vitesse de malade. Ok, de toute façon on va renommer la planète, donc voilà, on va l'appeler je sais pas moi. C'est vrai que j'aurais pu donner des noms un petit peu plus matures aux planètes, genre pas comme Xénophore tout ça, mais genre donner des noms de planètes qui existent déjà. Celle-là on va l'appeler je sais pas, on va l'appeler je sais pas comment est-ce qu'on va l'appeler. Oh d'accord, alors ça a l'air d'être une planète où il y a pas mal de ressources. Planète aride. Météo incandescent, faible mesure de sécurité. Ah d'accord, donc ça va. Plein copieux, d'accord, ok. Bon bah ça va, c'est pas mal tout ça. Donc on va du coup... Attendez, il fait combien? Il fait 53 degrés. Au calme. Ah là là là. Donc bon, on va le renommer, on va l'appeler... Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? On va l'appeler Saturne. Non, je rigole. On va l'appeler je sais pas moi comment est-ce qu'on pourrait l'appeler Allez, on va l'appeler Apollo. Voilà. Accepté. Nickel. Bon, ça nous aura donné quelques petites unités. Et du coup, bah par ici, on a pas mal de choses. Du tamium, mais magnifique ça, putain. On a récupéré du tamium. Ah, attendez, ils disent que c'est rare. Élément puissant utilisé, élément isotope, élément oxyde. Ah non, peu commun. Non, j'ai confondu le titanium et le tamium en fait. Bon bah très bien, ça a l'air assez sympa. Ce petit. Alors ça c'est quoi comme planète du coup? Je pense que c'est Xénophore. Enfin celle que j'ai renommée Xénophore quoi. Enfin voilà. Ok d'accord. Donc du coup, ouf, putain c'est quoi ce truc? What the fuck? Attendez, nourrir, interagir, d'accord. Ok. Bon, bah ils ont pas l'air très oxyde. Ils ont pas l'air très hostile, donc ça va déjà. Oh une pierre, tiens, une pierre de savoir. Vous avez pris le mot, ah énergie, ça déjà c'est un petit peu plus utile. Ok, nickel. Et par ici, qu'est-ce qu'on a? On a du coup bah de nouveau une espèce de balise. Attendez, j'ai vu un truc là. Je sais pas si on pouvait l'ouvrir ou quoi. Non, c'est non, on pouvait pas. Élément, interagir, machin. Sauvegarder. Pleine de machin. Et du coup, ça va nous faire découvrir des trucs, ça, non? Normalement. Je sais pas. Non. Ça nous fait rien découvrir. Bon. Ça, c'est quoi? Fer oxyde, d'accord. Très bien, très bien. Donc lui, j'ai l'impression qu'il me suit là, du coup, depuis que je l'ai apprivoisé. Ouais, bon, c'est... C'est pas génial comme... Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Attendez, bon, on va scanner peut-être, hein. On va scanner un petit peu. Parce que je crois qu'il y a un succès avec le fait qu'on puisse scanner des choses. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, il n'y a pas de... Protection thermique. Ah merde! Putain, il doit y avoir une protection thermique. Système de survie, machin. Protection... Ah, voilà, protection environnementale. Ah d'accord, c'est avec ça qu'il faut charger. Bah, j'aurais dû prendre des éclats de blindage, alors, pour charger le truc. Il est où l'espèce de bouclier que j'avais vu avant, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Arrivée 004. Oui, non mais oui, ça je sais. Mais j'avais vu un bouclier dans, là dans le coin. C'était assez bizarre.
Bah, je sais pas où il est. Et ça c'est quoi? Hors de la planète, épave de vaisseau, oui d'accord. Qu'est-ce que c'est ça dis donc? Platine, d'accord. Oh, il recommence à nous faire chier avec le... Bon, on va pas le recharger pour l'instant. D'accord. Tout compte fait, je crois que je vais quitter cette planète en fait parce que j'ai l'impression que... ça a l'air un peu bizarre. Niveau tout ce qui est... Oula, putain, y'a un truc qui vole là. D'accord, on dirait des papillons géants. Donc du coup, ouais, ça a l'air un petit peu bizarre comme planète, donc je vais pas trop m'éterniser dessus, on va dire. Parce que, voilà, ça a pas l'air très... Ça a pas l'air très intéressant, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, bon. Donc on va se barrer, je vais voir un petit peu ce que j'ai. Donc ça c'est bon, ça on va peut-être un petit peu recharger. Ça, je pense, ouais, bon, ça c'est bon, hein, j'avais dit. Hyper propulsion, ça se recharge avec rien, donc voilà. Ok. Donc c'est parti, on se casse de la planète. Je sais pas par où on peut aller, mais... mais en tout cas, on se tire de cette planète. Voilà, parce que... Oula, merde. Ça a pas l'air... ça a pas l'air très intéressant comme planète, donc du coup, voilà. Un peu plus au réacteur. C'est parti. C'est quoi comme planète, ça? Je veux savoir ce que c'est comme planète, s'il vous plaît. Alors, attendez, on va peut-être un petit peu ralentir. Une Z... D'accord. Attendez. Oula, 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 oula. J'ai failli me prendre des trucs dans la gueule. Non, je voudrais... En fait, je voudrais me diriger vers le truc... Non, bon, d'accord. Cette planète-là, je veux savoir comment elle s'appelle. Ah! Putain. Et c'est quoi l'espèce de truc là que je vois là? Attendez. Il y a un espèce de... Ouais. De truc un peu bizarre. Ah voilà. C'est ça je crois. Station spatiale. Encore? D'accord. Donc ça c'est Xénophore. Ok. Donc la station spatiale c'est celle où j'étais juste avant hein, je pense. Putain, faudrait qu'on récupère un peu de tamium mais j'arrive pas trop à... Elles étaient où les planètes que j'avais vues avant là? Que j'aimerais bien découvrir, qui étaient non découvertes apparemment. Tac. Non bah là on voit, on n'arrive pas trop. Mais non mais pas Xénophore, je m'en fous de Xénophore. Moi ce que je veux c'est voir les autres planètes où elles sont. Mais oh non mais c'est pas possible hein. Xénophore. Je m'en fous de Xénophore. Pour activer le saut assisté. Ah, il y en a une là, regardez. Ok bon on va activer le pulseur réacteur. Mais pas dans cette direction en fait. Je voudrais activer en direction de la planète. Et ça c'est quoi? Donc je vais voir un petit peu la carte galactique parce que je l'ai jamais regardé en fait. D'accord. Ok bon. Est-ce qu'on va être plutôt vers celle-là ou vers celle-là? Arriver dans 3-18. Bon allez. On va déjà aller voir celle-là et puis si jamais elle me plaît pas, bah, j'irai voir l'autre. Hop, carburant restant, alors il me reste plus beaucoup de carburant j'ai l'impression. Enfin, un petit peu moins de la moitié à peu près. Donc bon, ça devrait suffire normalement. C'est sympa quand même qu'on puisse se déplacer comme ça à la vitesse de la lumière. Bon, j'aimerais bien qu'il y ait de la troisième personne quand même pour qu'on puisse voir un petit peu comment le vaisseau est et tout en troisième personne. Mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine mise à jour, je sais pas s'ils ont prévu d'en faire. Mais en tout cas, eh ben, on les attend, voilà. Ok, donc bon on va laisser le pulseur réacteur parce que de toute façon dès qu'on entre dans l'atmosphère, voilà. Ça fait... Voilà. Nickel. Alors oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cette planète là? Ça a l'air d'être une espèce de planète de glace. Ah non mais attends, on était sur une planète de feu et maintenant on est sur une planète de glace quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Tac. Hop, on va atterrir. Voilà, ouais donc j'ai l'impression que là c'est ouais c'est une planète stabilisation du niveau de température, planète froid, givré, les sentinelles passives, flore commun, faune copieux, d'accord. Bon bah on va scanner tout ça, ouais. Tac. Ok, et du silicate, du machin. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas grand chose. Hein. Si, il y a des trucs là-bas.
mais je sais pas ce que c'est. Ok, donc du coup, on va renommer cette planète, on va l'appeler un truc en rapport avec la glace, on va l'appeler... je sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, on va l'appeler Ice Cream, allez. Lol. Voilà, bon, c'est un nom un peu débile, mais c'est pas grave. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on a dans le coin? On a des cerfs. Non, ça ressemble à des belettes. Wow, alors ça ressemble à un cerf par contre, sans les cornes, hein, bien sûr. Je vais encore une fois scanner un petit peu. Et puis, peut-être éventuellement me diriger vers le petit point vert là. Donc voilà, je vais y aller. Je vais y aller à la marche et puis je pense que je vais. Je vais pas faire d'ellipse parce que voilà, je vais vous montrer un petit peu la planète. On va en profiter. Et ça, est-ce que ce serait du tamium? Non, c'est de la flore. Santé au maximum. Interagir, bouclier. Bouclier au maximum. Parfait. Et ça c'est quoi alors du coup? Parce que j'ai jamais compris en fait ce que c'était ces espèces de. De trucs. Truc qui était entouré de carrés là, j'ai jamais saisi ce que c'était en fait, donc bon, c'est pas très grave. Et ici on a de nouveau un autre truc. Ah tiens, il y a peut-être un truc pour améliorer notre inventaire. On va voir ça. Glacier Notot. Glacier Notot. Putain, soit en Islande quoi avec les noms, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Alors d'accord, donc là il y a rien. Ok. Tiens, je vois une pierre là. Glacier Notot, parfait. Ok. Élément, machin. Ok, donc ça c'est à peu près partout pareil. D'accord. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, nice. Amélioration de la combinaison. Interagir. Ouais, un nouvel emplacement. Améliorer l'exocombinaison. Acheter un emplacement. Ah ouais, donc ça veut dire qu'en fait on les achète. Ok, bon, c'est pas très grave. D'accord. Stabilisation du niveau de température, très bien. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, il y a un deuxième truc. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Bon, j'ai pas l'impression que cette planète est très passionnante, mais... Ah, il y a un truc là-bas, tiens. Je vais aller voir. Enfin, peut-être que je me crafte une puce de piratage pour que je puisse... Ah, du zinc. Nickel. On va pouvoir recharger notre protection environnementale. Voilà. Tac, voilà, parfait. Protection thermique, machin. Et puis la puce de piratage, du coup. Ça se fait avec... avec du plutonium et du fer. Oui, voilà, c'est ça que j'avais entrepris de chercher. C'était du fer. Donc, où est-ce que c'est le fer, par contre? Ah, c'est là. Nickel. Avec mon magnifique nouveau multi-outil, là. Qui est assez stylé, moi, je trouve, hein, quand même. Il est assez sympa ce multi-outil. Moi j'aime bien. C'est sûr qu'il est mieux que le multi-outil de base. Parce que bon, le multi-outil de base, c'est pas le meilleur des trucs. Et en tout cas, j'ai l'impression que là-bas, bah, derrière nous, en fait, juste là-bas, je sais pas où c'est. On a un espèce d'avant-poste. Enfin, je pense pas que c'est un avant-poste, mais c'est un espèce de truc dans le genre avec une balise qui va nous permettre de découvrir s'il n'y a pas des trucs genre monolithes, etc. pour découvrir de nouvelles langues. Ah oui, mais attendez, j'avais vu un monolithe juste avant. Faudrait qu'on aille s'en occuper. Parce que voilà, j'aimerais bien apprendre un nouveau mot quand même. Alors, inventaire plein. Et ça, c'est quoi ça là-bas? Capsule de sauvetage. Ah oui, c'était là-bas. Protection thermique à 75%. Tiens, je vais la recharger. Hop, exocombinaison. Tac, zinc, voilà. Bon, c'est bien parce que ça se recharge plutôt pas mal, même avec très peu de métal. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Alors ça, tiens, je vais envoyer la découverte. Je vais l'appeler glacier Jack. Allez. Bon, j'étais en manque d'inspiration, donc voilà. Je me suis dit glacier Jack. Ok. Voilà. Alors, voilà. Il était là le La, la, elle était là la pierre de savoir. Isotope. Bon, ça va, c'est pas mal. Comme ça au moins ça me permettra de savoir. Étape de voyage atteinte. D'accord. Comme ça au moins ça me permettra de savoir si jamais. Compris. Mot appris 30. D'accord. Comme ça au moins ça me permettra de savoir si jamais on se retrouve face à un NPC qui puisse me dire voilà, je veux des isotopes et du coup moi je
pour aller chercher des isotopes. Et du coup voilà. Ok, j'entends des bruits. J'entends des bruits là dans le coin. Je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est pas grave. Tac. On amortit la chute, hein, toujours pareil. C'est très important parce qu'après sinon on risque de se casser la gueule. Et après ça fait très mal. Alors plutonium, est-ce que j'en ai pas déjà assez? Moi je peux encore un petit peu en prendre parce que j'en ai voilà. J'en ai pas non plus. J'en ai pas non plus des tonnes, donc c'est plutôt sympa le plutonium. Notamment pour recharger tout ce qui est. Tout ce qui a besoin d'énergie en fait, tout ce qui a besoin d'isotope. Donc voilà, basse terre de Hadzia, non découvert. Ok, bah maintenant j'ai découvert, donc voilà. D'accord, donc on a j'ai l'impression qu'il y a un petit truc de NPC. Alors c'est bizarre que des fois les cargaisons en fait soient pas... Enfin, on peut pas les ouvrir, on peut pas les prendre quoi, c'est assez bizarre. Donc bon, c'est pas très très grave, mais tiens, on va aller prendre celle-ci. Rocky, ah oui merde, je l'ai pas, c'est vrai que je l'ai pas crafté. Puce de piratage. Hop, voilà. Tac. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait? Monolithe, avant-poste colonial. Avant-poste colonial. Allez. Recherche d'avant-poste coloniaux. Ah, il en a découvert un. Centre d'opération. Ouh, un centre d'opération carrément. Putain. Donc là, faudrait qu'on y aille en vaisseau. Hein, parce que sinon, c'est un petit peu... C'est un petit peu loin. Et du coup, alors est-ce qu'il me reste pas encore un petit peu de fer? Ah si, il me reste pas mal de fer, donc je pourrais refaire des puces de piratage à l'occasion. Mais en attendant, je vais un petit peu voir ce qui se passe par ici. Ok. Bossoir. Ah oui, non, c'est vrai que dans ces trucs-là, il y a personne, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais complètement oublié. Nouvelle technologie, machin. Tir rapide. D'accord. Ok, écoute, d'accord. Élément interagir. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire tourner les... D'accord, on peut faire tourner les sièges. Bon bah écoutez, petite ellipse, et je pense que je vous retrouve... je pense que je vous retrouverai au centre des opérations. Voilà, je vais retourner à mon vaisseau, et on va aller voler jusque là-bas. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Ah oui, d'accord. Allez, à tout de suite. Alors, donc, petite intermède, en fait, je viens de trouver une autre capsule de sauvetage, et je pense que je vais aller explorer l'autre aussi qui se trouve... alors attendez, où est-ce qu'elle se trouvait déjà l'autre? Parce que j'en avais vu une autre. Ah oui, voilà, c'était là-bas. Combien? 2:03, voilà. Donc je pense que je vais de nouveau faire des ellipses. Et du coup, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Alors encore une amélioration, donc ça c'est vraiment nickel. Comme ça, ça nous fait un emplacement de plus. Et bah franchement, 20 000 unités. Allez. Mais c'est bien parce que je peux avoir un emplacement en plus. Hein. D'accord. Donc du coup bon, j'ai plus beaucoup d'unités là, je suis vraiment pauvre, mais bon c'est pas grave. De toute façon, on aura l'occasion de faire des échanges, etc. Donc voilà. Alors là, ah tiens, là c'est des débris qui n'ont pas été touchés. Porte-bonheur geek, d'accord. Restaurateur de santé, super. Parfait, c'est génial ça. Et ça alors, sauvegarder. Forêt de Fulas. Très bien. Nickel. Parfait, parfait. Et puis ici, donc on n'a pas grand chose. Par contre, je vais quand même envoyer mes trucs. Forêt de Fulas. Bois des glaces, allez. Voilà, je mets des noms, c'est un petit peu... voilà, mais c'est juste pour gagner des unités. Basse terre de Hadzia. Pleine des glaces. avec tout, en rapport avec la glace, parce que tout simplement, eh ben, on est sur Ice Cream. Voilà, donc du coup... Eh ben, il faut quand même que ce soit un petit peu en rapport avec la glace. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Platine, silicate, nickel. Et je vais me diriger vers celui-là. J'en ai pas pour très longtemps. Et je vous dis à tout de suite. Regardez-moi cette vue un petit peu. Le truc là qui est juste au milieu, avec toute la plaine comme ça, c'est assez... C'est assez sympa avec la petite lune qui est juste là-bas. Enfin, ou une planète, je sais pas trop ce que c'est. Mais, enfin voilà. Donc du coup, eh ben, on est là. On est bien. Oula, putain, là, par contre là je me fais bien mal. Parce que j'avais un... Pourtant j'avais eu un restaurateur de santé avant, mais là je me suis bien défoncé par terre. Donc bon, et qu'est-ce que c'est que ce truc là? Protection thermique 50%. Bosquet de Nizak, il y a encore un truc. Chrysonite. D'accord, jamais découvert ce truc là. Ok, bon écoute, c'est sympa. 30%, sympa. Interagir, protection.
La température de votre combinaison augmente. Ah, c'est sympa ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on a par ici? D'accord. Sauvegarder bosquet de Nisak. Très bien, très bien. Donc bon, maintenant je vais plus renommer les trucs, je pense. Hein, je vais juste. Je vais simplement capsule de largage, interagir, chercher. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien n'a été trouvé, MDR. Inventaire plein. Ah oui, merde, c'est vrai. Donc bah attendez, je vais transférer des trucs, je pense que les... Ah oui, merde. Non, non, je voulais pas... Non, je voulais mettre en mode... Voilà, rayon d'extraction. Je voulais... Qu'est-ce que je pourrais transférer? Je vais transférer un petit peu de plutonium, parce que voilà. What? Aucun emplacement libre? Eh ben, qu'est-ce que je pourrais transférer alors? Bah je vais jeter. Alors, hein, je vais jeter du plutonium, allez. Putain, pourtant on a eu des améliorations en plus, donc donc voilà. Il faudrait qu'on recherche porte-bonheur geek. Encore? Putain. Vivement que je fasse des échanges parce que là les porte-bonheur geek ils commencent à prendre beaucoup de place dans mon inventaire. Alors, et puis là-dedans. D'accord. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Nouvelle technologie découverte, propulsion de grenade, d'accord. Ok. Et donc, eh bien, on va se retrouver... Oh putain, il y a encore un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est comme truc? Arrivée, une 32. Bon, je vais scanner la zone et puis, bon, du coup, je vais revenir... Oh, une tourelle, bonjour. Et je vais revenir à mon vaisseau en ellipse. Et bien sûr, j'irai explorer le centre d'opération. Voilà, donc... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ce serait pas un truc pour la vie, pour faire remonter la vie. Parce que j'aimerais bien la faire remonter là, vu que j'en ai... Bah que j'en ai plus beaucoup tout simplement. Donc voilà, interagir santé. Parfait, santé au maximum. Et donc du coup je vais vous dire ah attendez, il y a un truc à pirater là. Tiens, je vais peut-être me le faire. Ouais mais non mais parce que j'ai pas assez de trucs. Donc du coup on se retrouve au centre d'opération et je vous dis à tout de suite. Ok, donc on est bientôt arrivé au centre des opérations. Enfin au centre d'opération en tout cas, mais c'est le centre des opérations parce qu'il y a plusieurs opérations. Et hop, je vais atterrir juste à côté. Et voilà. Ah non, je suis pas atterri juste à côté, mais bon, c'est pas grave. Hop, et du coup, eh ben, on va aller voir ce qui se passe en fait dans ce centre d'opération. Voilà, parce que peut-être que on aura l'occasion de faire des échanges, peut-être pas. On va voir ça. Bois de Ebot. Ok, d'accord. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a quelques petites tourelles. J'espère qu'elles vont pas m'attaquer parce que... Voilà, bon, ça a l'air assez sympa cette planète quand même. Bon, c'est pas non plus... voilà, mais c'est déjà plus beau que... C'est déjà plus beau que... Comment ça s'appelle? Que Xenophore et Nocipen Vasgeogre. Parce que bon, Nocipen Vasgeogre, c'était bien, il y avait de la faune, de la flore, ça ressemblait un peu à la Terre, mais c'était un petit peu moche quand même. Faut le dire, hein. Et du coup, voilà. Alors, ok, d'accord. Ici, on a du coup de la cargaison. En terre plein. Merde. Putain, c'est vrai. J'avais oublié. Et du coup, dans le vaisseau... Bah, dans le vaisseau, on n'a plus aucune place aussi. Oh, putain. Bah, il faudrait vraiment que je trouve des améliorations, là. Parce que là, c'est vraiment la merde. Attendez, il y a un truc qui est en train de se... Ah non, c'est une tourelle. Et je crois qu'il y avait un vaisseau qui est en train de se poser. Oula, putain, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce dinosaure? Ah merde, j'ai pas de carbone. Ok. Alors, je voudrais trouver la porte d'entrée, s'il vous plaît. Je sais pas trop où elle est. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une puce de piratage. Appelez le vaisseau. Bah non. C'est bon, on va pas appeler le vaisseau. D'accord. Il y a encore une tourelle là. Alors, ah merde, c'est fermé. Acier renforcé. Ok. Je vais essayer de le détruire. On peut, donc apparemment, ouais, on peut le détruire, j'ai l'impression. Oh, merde! Oh, merde! Putain! Oh là là! Putain, j'ai alerté les sentinelles. Eh, merde. bon, bah, au revoir. Hein. Non, attendez, on va se combattre, quand même. Vogel! Ta gueule! Casse-toi! Ouais! Plein de titanium partout! Ah! Recharge! Merde, non, mais je voulais pas le recharger! Ah non, mais il était à zéro.
Attends. Faut que je le recharge, merde. Recharger. Vite, putain, je vais mourir. Oh là là, je vais mourir. Ah, putain, mais elles sont pleines. Mais comment je vais faire? Attendez. Non, faut que je continue avec le... avec ce truc là, parce que là, sinon, je peux pas... Oh la vache, putain. Qu'est-ce que c'est chiant, ces trucs. Putain, elles m'ont mis à la... à que dalle en vie, hein. C'est vraiment un truc de fou. Tac. On va essayer de la buter, la dernière. Unité de combat de sentinelle. Oh, merde. Putain, il est où, mon vaisseau? Il est là-bas. Attendez, on va... on va se barrer de la planète. Ah non, mais là, vraiment, je vais... Oh, putain. Il y en a plein qui sont... Bouclier désactivé, what the fuck? Pourquoi il est désactivé, mon bouclier? Attendez, on va... Bon, on va se barrer de la planète, du coup, hein, j'ai pas le choix. Force sentinelle... Ah, force sentinelle désactivée, d'accord. Bon, voilà. Au moins, comme ça, je sauvegarde, et puis, bah, du coup, on va se barrer. Bon, désolé, hein, je pense que je retournerai plus sur un centre... un centre d'opération. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Je retournerai plus sur un centre d'opération. Allez, salut. On va aller explorer une nouvelle planète, parce que là... ouais, non, là, c'était un petit peu trop hardcore avec les... avec les sentinelles. Tac. C'était sympa, cette planète. C'était sympa. Ça ressemblait un petit peu à la Terre, quand même. Bon, hein, en gelée, hein, bien sûr, mais... ça ressemblait un petit peu à la Terre, voilà. Tac. Donc, on va se diriger vers... alors, celle-ci, c'est quoi? C'est une planète... attention, verdict. Attention, verdict dans 3 secondes. Non, je... tu veux bien me dire quelle planète c'est? Parce que là, j'aimerais bien savoir. Ah non, mais attendez, je crois que c'est une planète que j'ai déjà découverte, non? Je pense. On va voir ça. Parce que je crois que ça me dit quelque chose, le truc comme ça de... qu'on était sur Apollo, oui, voilà, putain. C'était déjà une planète que j'avais découverte. Donc, du coup, je sais pas trop vers où aller. Nocipen Vasjogre. Arrivée, 6h, station spatiale. Xénophore, Apollo. Est-ce qu'on retourne dans la station spatiale ou est-ce que... bon, allez, on va aller... On va se laisser quand même sur... sur Unzema Gormar. Voilà, parce qu'on s'est déjà laissé sur une station spatiale. Donc du coup, voilà. Je vais faire une petite ellipse le temps qu'on arrive et je vous dis à tout de suite. Wow, alors attention, parce que là il me reste plus beaucoup de carburant dans le pulso réacteur, faudra que je pense à le recharger, mais normalement ça devrait tout juste suffire pour entrer dans l'atmosphère. Ouais, nickel. Nickel. Ça suffit tout juste. Bon, alors c'est quoi cette planète là? Qu'est-ce que c'est que cette planète bizarre? Ça a l'air d'être un truc où genre t'as de l'eau. Ou... putain, c'est bizarre comme truc. Déjà on est en train de complètement cramer en rentrant dans l'atmosphère. Bon, c'est normal en général, mais... là, c'est un petit peu bizarre. Hop, tac, initialisation de la séquence. Et voilà. Alors, c'est bien parce qu'on est, on est arrivé juste en face d'un truc à découvrir. Oh. Alors, ça a l'air planète contaminée. Contaminée avec E, accent aigu, E. Hein. C'est, voilà. Vent explosif. Oula, putain, ça a l'air bizarre, ça. Galaxie Euclide. Alors, déjà, je vais... point de passage découvert. On va voir un petit peu... non, alors voilà, ça je peux pas, mais je vais la renommer, non, je vais pas la renommer. Ça me paraît bien comme nom, hein, Unzema Gormar. Découverte, mise à jour, machin. Bon, très bien, bah on est arrivé sur une planète un petit peu bizarre. Donc je pense qu'en fait, en off, je vais un petit peu, l'explorer, regarder, collecter des ressources. Et du coup, je pense, voilà, je vais scanner un petit peu. Et du coup, bah voilà, je vais vous dire à une prochaine fois pour une nouvelle... un nouvel épisode, pardon, de No Man's Sky. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Et bah, du coup, voilà, je vous dis à une prochaine. Et salut, moi je vais explorer cette planète. Allez, au revoir.